Un homme a mis le feu à un wagon avant d'attaquer les passagers d'un train au couteau en Suisse. La police estime peu probable qu'il s'agisse d'un acte terroriste, mais n'exclut pas un crime passionnel. L'assaillant est un ressortissant suisse de 27 ans. L'homme a été blessé et il est hospitalisé. Nous parlons de sept personnes blessées. Elles le sont grièvement ou très grièvement, dit ce porte-parole de la police. Six personnes ont été attaquées directement. Une septième a été légèrement blessée lors de son intervention. L'incident a eu lieu dans un train en marche qui a dû d'abord s'arrêter. Les services d'urgence ont pu ensuite mettre en place la chaîne des secours et prendre des mesures immédiates. Le drame s'est produit à 14h20 dans un train qui circulait le long de la frontière du Liechtenstein à proximité de la gare de Salaise. L'assaillant a d'abord versé du liquide inflammable dans le wagon du train qui a pris feu avant de s'attaquer à l'arme blanche aux passagers.